Géraldine Figard de la cellule Média Neige au Conseil départemental du Doubs. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on le rappelle, hein, c'est très très compliqué. Vous nous appelez ce matin pour nous dire où sont les points noirs. Le problème, c'est qu'il y en a un petit peu partout. Hein, partout, exactement. Voilà. 6h51, on continue de vous avoir au téléphone. Vous le faites au 03 80 833 100, effectivement. Point complet. On est le 1er mars 2018. Émission spéciale à vos côtés. Les conditions de circulation. Il est 6h51, il fait moins 5 degrés Celsius. De tomber, et puis après la neige, les pluies verglaçantes en perspective. Voilà ce que nous annonce Météo France dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes. On a par exemple à la sortie de Baume-les-Dames, Nicolas nous dit que la route est bloquée direction Besançon par un poids lourd, puis des voitures également qui sont en difficulté. On a beaucoup, beaucoup de poids lourds hein, qui sont dans la galère ce matin. On aimerait savoir comment ça se passe. Tiens, du côté de l'Arnaud, on avait pas mal de poids lourds qui étaient bloqués au-dessus de l'Arnaud au niveau du rond-point, là pas très loin de Buzy. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous êtes toujours à l'arrêt? 03 80 833 111, vous nous appelez maintenant. Vous êtes nombreux, les parents, à nous demander est-ce qu'il y a des transports scolaires ou pas. Nous ne sommes pas en mesure de vous donner une information sur l'ensemble de la région, tout simplement parce que cette information... Elle est très compliquée, effectivement, à voir, parce que c'est à la discrétion des chauffeurs. Hein, les compagnies de bus donnent des consignes toutes simples à leurs chauffeurs. Ce sont eux qui décident s'ils peuvent prendre ou pas le volant. Donc, effectivement, pour les transports scolaires, c'est assez compliqué. En même temps, quand on voit les décisions qui sont prises pour les transports en commun, hein, c'est-à-dire quand on sait qu'aucun bus n'est sorti ce matin à Besançon, en urbain, en périurbain, qu'aucun bus ne circule sur les grandes lignes entre Besançon et Vesoul, et c'est certainement le cas pour Meublidou, entre Besançon et Pontarlier, on est en train de se renseigner. Quand on voit qu'effectivement ces bus-là ne circulent pas, on peut effectivement penser que oui, il y aura assez peu de transports scolaires ce matin, mais encore une fois, c'est très compliqué de vous dire les transports scolaires circulent ou pas à tel endroit ou pas, parce que c'est à la discrétion du chauffeur. Voilà, Michel, par exemple, qui est chauffeur scolaire, nous a dit tout à l'heure dans le secteur de Baume-les-Dames, lui, il fait roulant rougement, il nous a dit voilà, qu'il n'avait pas pris le car ce matin, que sa compagnie de bus lui avait dit au chauffeur de rester tout simplement au dépôt pour assurer votre sécurité. Alors 03 80 833 111, vous continuez de nous appeler et de nous faire un point sur vos conditions de circulation en direct. Michel est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Vous êtes où? Que se passe-t-il? On vous écoute. On est sur la zone de Mizré. Ouais. Sortie de la zone des transports, de la montée, hein, sur le Valentin. Mm-hmm. Tout est bloqué. Hein, les camions sont pris au piège. Enfin voilà quoi. Ok, entre Mizré et Besançon. On se demande pourquoi que le préfet n'a encore pas réagi pour interdire les camions. Hein, Oui, c'est vrai que là, les poids lourds, ce matin, on se rend compte que c'est vraiment, vraiment difficile. Ça concerne aussi, puisqu'on en parle, la 36, avec régulièrement, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, la 36 qui bouchonne, hein, puisqu'on a les camions qui tentent de doubler ou de rouler sur deux voies. On vous rappelle, en revanche, que là, il y a un arrêté préfectoral, un mi-poids lourd, que vous ne pouvez pas dépasser, vous n'avez pas le droit de doubler et que vous ne devez pas dépasser 80 km/h pour le moment. Donc restez prudent et redoublez de vigilance, s'il vous plaît. Merci Michel. C'est quoi vous le trajet pour vous là ce matin? Normalement c'est sur Montbéliard, mais nous on a reçu l'ordre de nos responsables de rester au dépôt. D'accord. Parce que vous êtes quoi? Bus, camion? Non, transport de marchandises. D'accord. Ok. Bon, en même temps c'est voilà une journée de perdu, mais de la sécurité en plus. Une journée perdue, peut-être pas. On va l'appeler une vie ou des vies. Exactement. C'est pour ça, de la sécurité en plus. Merci beaucoup Michel, en tout cas de nous avoir appelé. Bonne route à vous. Voilà pour rentrer à la maison si vous le pouvez. Et restez surtout bien prudent. On va accueillir Stéphane qui est avec nous en direct. Bonjour Stéphane. Ouais, bonjour. Bonjour. Bonjour, moi je viens d'arriver à mon boulot à Saint-Hippolyte. Là. Ouais. Les camions sont bloqués dans la côte de Saint-Hippolyte-Mèche, à la sortie de Saint-Hippolyte, au lieu dit au fer à cheval, là, en plein virage. Là. Alors, faudrait éviter le coin. Il y a beaucoup de camions qui sont bloqués là. Ah, ben là, il y en a deux. Là, ce coup-ci, il y a le deuxième qui vient d'arriver au cul de l'autre. Donc là, pour l'instant, il y a deux camions. Alors, on passe que sur une voie. Donc, faut vraiment éviter, quoi, là. Ok, ça marche, la côte, donc, voilà. Saint-Hippolyte-Mèche, les poids lourds sont en difficulté. Ouais, ouais, et... là.